écoute, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Comme promis, Sonia me l'avait demandé sur Instagram d'avoir un tuto. Donc je vais vous faire le tuto de cette carte. Alors je vais éteindre la lumière et vous montrer en fait ce que ça donne. C'est une carte qui s'éclaire en fait avec une boule de ballon derrière. Donc là on voit pas trop bien parce qu'avec la lumière du coup, je vais remettre le petit bazar derrière. Donc c'est une carte légèrement en relief et avec une boule ballon derrière. Et lorsque vous enlevez la languette, elle s'illumine. Voilà, donc on va la faire ensemble. Donc pour faire cette carte, il va vous falloir... Donc que je ne me trompe pas, parce que j'ai tout prédécoupé avant pour que la vidéo soit moins longue. Donc il vous faut deux morceaux de cardstock blanche, donc de 17 cm par 15. 17 cm par 15, il vous en faut deux. Donc j'ai fait le deuxième, mais comme j'ai coupé la fenêtre pardon, ici, donc voilà, il vous en faut deux. Vous ferez un premier pli ici à 1,5 et un deuxième pli à 3. Voilà, comme ça va vous faire un montage comme ceci. Vous voyez, voilà, donc il vous faut deux comme ça. Il vous faut moi j'ai pris une découpe comme ceci. Alors je vais vous le montrer, c'est ce dies-là, hein, pour faire un décor. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire totalement différent. Vous pouvez faire une découpe ici avec des aiguilles de façon à pas être obligé de rajouter ça. Ensuite, j'ai pris, donc il vous va falloir un bout de vellum parce que moi j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris le kit de Stampin' Up bois hiverno avec donc qui était au catalogue de cet hiver. Ensuite, et j'ai pris les dies qui vont avec, les dies assortis. Voilà. Donc, j'arrive à le remettre dans la pochette maintenant. Bon, on verra ça tout à l'heure parce que sinon, ça va me prendre un temps fou. Donc, j'ai coupé le sapin complet en vellum. Voilà, et j'ai coupé le sapin avec les petites encoches comme ça que je relèverai tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris les deux petits arbustes comme ceci. Ensuite, j'ai pris, j'ai rangé le bout de vélum supplément en trop, j'en ai plus besoin, je laisse le jeter. J'ai pris un morceau de rhodoïde, donc 14 par 15, et j'ai pris une feuille blanche qui fait, je ne me souviens plus trop, 11 par 15, 11 par 15 pour faire le fond. Voilà, ensuite j'ai pris, vous aurez besoin de deux étiquettes, une de couleur et une avec un sentiment. Voilà, et une petite bande bleue. Comme ceci, donc moi c'est 2 cm pardon par 11. Après vous faites comme bon vous semblera, vous regardez et puis vous le faites suivant vos envies et votre humeur. Vous pouvez l'adapter pour plein de choses, hein, carte d'anniversaire, carte de Saint-Valentin. Vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quel style de carte. Donc on va prendre les deux morceaux comme ça déjà. Donc, on plie bien un en intérieur, un en extérieur, un en intérieur. J'espère que je suis claire et un en extérieur. De façon à ce que ça fasse comme ça, en fait. Voilà, ça va faire ça. Et là, ça va être pareil. Donc, un. Vous prenez bien votre pliure pour marquer les plis. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël. Là, on remet ça pour le réveillon du Nouvel An dans quelques jours.
Alors, je suis pas tout à fait remise de Noël, mais bon. Hein. J'ai plus 20 ans, donc ça commence à être dur. Donc, ça vous donnera un cadre comme ceci. Moi, je pensais par la suite rentrer à l'intérieur, ça. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, je l'adapterai plus tard pour d'autres choses. Ensuite, nous allons prendre... Maintenant que les plis sont marqués, vous allez les mettre de côté. On va prendre la feuille blanche. Voilà. Et je vais prendre un post-it. Et je vais couper un cercle. Donc avec l'autocollant, bien évidemment, vous coupez un cercle. Donc moi, j'ai pris un cercle de 3,5. Je trouve la fonte. Hop. Voilà. Et je vais la coller ici, mon cercle. Voilà. Pas très bien coupé cette histoire. J'ai l'impression que ma perfou est crasseuse. Fait pareil, non, ça le fait moins. On va coller ici. Voilà, je vais prendre les encres Stampin' Up. Donc, on va faire le fond. Alors, en ayant mis donc le post-it autocollant, pour ce faire, je vais prendre trois encres Stampin' Up. Donc, Piscine Party, Indigo des îles et Bleu nuit. Et je prie aussi celui-ci qui est Narcisse d'Hélice pour la lune. Voilà. Donc, on commence par la plus claire, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis d'habitude. On commence toujours par l'encre la plus claire. Je vais prendre mes dots. Voilà. Donc, le bleu piscine, c'est celui-ci. Parce que je les ai notés de façon à ne pas me tromper et ne pas mélanger les encres en fait. Donc, toujours commencer, je vais prendre une feuille de brouillon. On commence toujours par la feuille de brouillon, n'est-ce pas? Voilà. Hop. On met en dessous et on y va. Donc ça marque pas trop, hein, mais quand même, ça marque quand même parce que regardez, quand on lève la lune, on voit bien, je sais pas si vous voyez vous, on voit bien la démarcation. Hein. Donc on commence toujours par le plus clair. Donc là, on est le 28 janvier, non, c'est la date que je me suis opérée. 28 décembre, donc logiquement, dans une semaine, je serai démonstratrice Stampin' Up. Donc je suis assez contente parce que, voilà, quoi, j'avais envie de rentrer dans une boîte de vente à domicile de matériel de scrap, et je crois que Stampin' Up c'est le mieux, quoi. Voilà, donc je rentre chez Stampin' Up d'ici peu de temps. C'est cool, hein. Maintenant on va prendre le bleu indigo. On va essayer de pas faire exploser le pad. Voilà. Donc vous repartez de la lune. Mais vous n'allez pas jusqu'en bas. Donc ça va faire des reflets. C'est ça qui est pas mal. Ça va faire des reflets avec le clair qui est en dessous.
Vous n'allez pas jusqu'en bas, vous laissez un peu de ciel en bas. Ou vous pouvez aller en bas, hein. C'est comme vous, là, ça va envie. Hein. Moi, je ne vais pas jusqu'en bas. Par contre, voilà, moi, ça fait des ronds et ça, j'ai horreur de ça. C'est pour ça que... D'habitude, enfin, je fais mes roues, je le fais au rouleau aussi maintenant, mon fond, bien souvent. Voilà, on va laisser un peu de clair en bas. Voilà. Et maintenant, on va prendre le nuit. Et ça, c'est pareil, vous le faites qu'à un quart de la carte. Moi, je ne le fais même pas tout à fait d'un quart parce que je trouve que ça fait trop. Je fais bien les bords. Ça, c'est le moment où vous en mettez plein les doigts. Faut pas avoir peur de salir les mains avec les encres. Ça, c'est clair. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Je fais le tour, mais en fait, ça durera même pas. Mais bon, moi, au moins, je sais que c'est fait. Voilà. Surtout ce truc. Voilà. Donc, ça fait ce fond. Voilà. Maintenant, on va enlever le post-it. Hop. Et on va prendre le jaune. Donc, je me suis commandé cette boîte de d'autres aussi sur, comment ça s'appelle? Des sponge daubers sur Ali. Voilà, parce que, ben... Il y en a 40, quoi. Donc, bah, c'est moins cher que chez Cultura, il faut le dire. Hein. Et hop, vous faites la lune. Voilà. Nickel. Il faudra juste que je marque lequel que c'est, de façon à le réutiliser tout le temps pour le jaune, pour Narcisse et Lys. Voilà. Donc, concernant les encres de couleur, logiquement, vous n'en avez plus besoin. Donc, vous prenez les couleurs que vous avez à la maison, bien évidemment, si vous n'avez pas les encres Stampin' Up. Voilà. Ensuite, moi, je vais tamponner un fond. Donc, j'ai la planche à tamponner de chez Tim Holtz. Je vais reprendre mes tampons. Donc, je vous répète, hein, c'est bois hivernaux. Et moi, je vais prendre la forêt d'arbres qu'il y a ici. Je vais mettre ici comme ça. Hop. J'ai pas trop de place, mais bon, on fait avec. Hein. Ma Versafine est là.
Voilà. C'est vraiment génial hein, ça. Ça permet de pouvoir retamponner si le tampon n'est pas tellement bien fait. Mais là, pour le coup, ça va, j'ai pas à repasser. C'est suffisant. Voilà. Donc ma planche à tampon, c'est pareil. Logiquement, je n'en ai plus besoin. Et voilà. Enfin, si, j'en ai plus besoin parce que j'avais tamponné le sentiment déjà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est mon fond. Alors le fond, du coup, je vais venir le coller ici. Donc c'est un chouïa. Non, c'est bien. C'est parfait. C'est un chouïa trop grand, j'ai l'impression. Je vais recouper un peu. Donc, nous l'a reparti. Mon téléphone a basculé. Donc j'ai été obligée de relancer la vidéo. Donc je vous disais que j'allais recouper un chouïa. Parce que du coup, c'était trop grand et ça ne rentrait pas. Mais je n'ai pas coupé grand chose. 2 mm à tout casser. Voilà. Et donc, ça va être collé dans le fond ici. Voilà, comme ça. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Donc, on va mettre de la colle. Bon, j'ai presque plus de colle de chez Stampin' Up. Elle est bien cette colle, je l'ai découverte en atelier et franchement, par contre, pas terre à se tromper, hein, parce qu'une fois que c'est posé, c'est collé, c'est qu'à de le dire. Voilà. Ensuite, vous mettez ça de côté, vous allez prendre votre rhodoïde. Voilà. Et on va coller le sapin en vélum. Donc, alors ça va être caché par l'eau de sapin, donc c'est pas gênant. Vous pouvez même rajouter un peu de colle parce que ça va être vraiment caché. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Donc vous enlevez ça et vous appuyez bien fort. Voilà. Vous remettez ça de côté. Vous prenez votre petit sapin comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pinceau et vous mettez la colle sur les bords de ça quoi. Vous mettez ça, la colle sur les sur ce que vous avez mis en relief. Non, parce que ça va pas avec le pinceau, il est trop gros. Donc moi je vais l'étaler au doigt du coup pour éviter d'en avoir partout. Voilà, parce que je veux vraiment pas en mettre sur tout le sapin en fait.
Hop là. Ce sera vraiment une vidéo périlleuse parce que entre à un moment j'ai mon pas dedans qui s'est grand ouvert que j'ai été obligée de remettre. Mon téléphone qui tombe. Enfin, tout va bien, quoi. Je veux dire, c'est la vidéo. C'est la vidéo. J'en ai une comme ça de temps en temps. Et ben celle-là, c'en est une. Je vais prendre ma feuille de brouillon. Des paillettes, comme ça. Donc, je vais essayer d'ouvrir sans me casser une dent. Donc c'est des paillettes que j'avais reçues dans un envoi, ça fait un moment déjà. Voilà. Il y a des paillettes sur mon sapin. Voilà, on va plier ça. Je vais pas récupérer les paillettes, hein, de toute façon, pour si peu. Et je vais mettre de la colle derrière mon sapin. Donc voilà, vous collez. Au doigt, voilà. Je reprends mon rhodoïde, super, et je colle mon sapin sur le sapin en vellum, en vélin. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Papier calque, quoi. Vous m'avez compris, c'est du papier calque. Voilà. Ensuite, on va coller ça ici. Vous voyez? Donc on va mettre du double face. Alors j'en ai plein les doigts, c'est horrible. Alors, ne pas se tromper, hein, parce que je vous le dis, hein, cette colle, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, vous mettez votre vélum ici, à ras. Et votre vélum. Super, tu vas pas m'aider hein, aujourd'hui. Ici, à ras. Voilà. Ensuite, mettez de côté. Moi, je vais reprendre cette partie-là parce que je vais y coller ce morceau-là ici. Comme ça. Vous voyez? Ça va rendre ça en extérieur. Ce sera plutôt dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc, on va mettre de la colle. Bien étaler. Ensuite, vous posez votre machin. Voilà. Et j'ai mis de la colle ici, là où il ne fallait pas. C'est pas grave. Voilà, c'est nettoyé. Voilà. Ensuite, vous prenez les deux arbustes comme ça. Moi, je vais couper. Regardez pas la tranche de mes doigts. Parce que, de toute façon, quand je scrape, je m'en fous partout. C'est logique. Hop. Et on va coller ça comme ça. Et celui-ci.
comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais coller ça par-dessus. J'ai pas encore mis la lampe ballon, je le sais. Alors, c'est pas une obligation de mettre une lampe ballon. Hein. Vous pouvez le laisser comme ça, regardez. C'est joli aussi. Hein. Mais je vais la mettre après. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous montrer ce que c'est aussi, d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas montré ce que c'était qu'une lampe ballon. Je reprends mon double face. C'est pour vous montrer. Hein. C'est après, vous adapterez vous comme bon vous semble. Alors, heureusement que j'ai qu'une fois que c'est collé, je peux plus le bouger parce que j'ai des conneries. Je peux pas changer. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, la carte, elle est quasiment terminée. Donc, on va mettre la lampe ballon. Donc, je vous montre ce que c'est que la lampe ballon. J'en ai commandé chez Amazon ça. Et celle-là, elle fonctionnait. Voilà. Vous voyez? Ça s'allume. Celle-là, elle ne marche pas. Je vais les ouvrir. Regardez. Donc, on va planter moi, je prends ça. Ah, pas tout à fait celui-là, en fait. J'ai pris tout à l'heure celui-ci de touche à tout. Et je l'ai planté. Ici à peu près, parce qu'en fait il faut pas qu'elle se voit, et donc vous plantez au fond et vous faites un écartement comme ça. Vous prenez votre lampe ballon que vous faites pénétrer dans le trou. Donc moi je vais la coller avec de la colle pour plus qu'elle bouge, et bon, je vais la coller après, je vais vous montrer après. Déjà on va coller les décos, donc on va coller cette barre là ici. Déjà, j'ai fait le trou, c'est pas si mal. Puis alors, comme j'ai ma crasseuse, ça me saoule. Voilà. Ensuite, cette étiquette-là, je vais la couper en deux. Que comme elle fait la même taille que la blanche, si je mets la blanche sur la bleue, on la verra pas. Donc je vais mettre de la colle derrière la moitié, voilà, et je vais positionner mon étiquette blanche par dessus voilà, et pareil sur le deuxième morceau. Voilà, comme ça, ça vous fait un bord bleu de chaque côté. Vous voyez? C'est bien, on peut tricher avec une étiquette. C'est pas mal. Ensuite, moi, je vais prendre de la mousse 3D. Alors, j'ai mon touche à tout, mais en fait, j'ai pas encore le réflexe de l'utiliser. Je cherche mes mots, c'est incroyable. La fatigue, c'est fou. Fatigue et vieillesse, hein, faut le dire. Voilà. Et voilà. Et ça, vous le collez ici en plein milieu. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter des nœuds, vous pouvez rajouter ce que vous avez envie. Et ça, en fait, moi, je vais la coller avec de la colle. Donc, j'y mets de la colle tout autour. Parce qu'elle colle tout. Hein. Cette colle, elle est incroyable. Elle colle tout.
Donc on va la mettre et on va attendre que ça sèche un peu. Et logiquement, logiquement, elle s'éclaire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elle colle bien et je vous ferai une photo dans le noir pour vous montrer. Voilà. Regardez. Alors, attendez 30 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous éteindre les lumières pour vous montrer ce que ça donne quand c'est sombre. Hop. Je ne sais pas si je peux éteindre le plafonnier. Bougez pas, je reviens. Voilà ce que ça donne une fois que c'est allumé. Alors, vous avez celle-ci et vous avez la deuxième, celle que j'ai fait juste avant la vidéo. Donc, voilà ce que ça rend une fois que c'est allumé. Voilà, voilà. Je sais pas. Alors, attendez parce que je vous montre pas bien du tout. Je suis pas dans la caméra. On va allumer celle-là. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'éclairage de la carte. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, comme vous voyez, on en a plein les mains. Mais c'est assez rigolo à faire. Moi, je les trouve super jolies. Je vais en offrir une à ma maman et une à ma soeur. À une ma soeur Alison. Et puis, ben moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!